Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour un Sky Skill Test, pour un Skill Test forcément, et on est parti dans ce Skill Test. 3, 2, 1, go, let's go. Alors c'est en X1.21, donc on est en BMX, ne vous inquiétez pas, c'est pas en BMX, c'est en X1.21, et on va essayer tout simplement les gars de ne pas tomber dans ce parcours, c'est-à-dire quand je ne pas tomber, c'est faire un 100% perfect. Même si ça va être compliqué, sachant que la course est notée à 30%. Et 30%, bah c'est chaud quand même pour une course. 30% en vrai, c'est pas mal de gens au rush kit. On va voir si nous, on fait partie des rush kit, on fait partie des gens qui ont du niveau. Ok. Déjà, on a passé les deux trucs. Voilà. N'ayez pas peur aussi, hein. Quand vous faites ce genre de points, n'ayez pas peur de vous retourner ou quoi. En vrai, de vrai. Même si vous restez sur le dos comme ça, vous avez juste à retourner le véhicule tranquille, au calme. Même si vous êtes au bord, retournez bien du bon sens. Ok, donc déjà le premier point, c'est ok. Ça se passe bien. Maintenant, on va passer au second point. Second point, second barre, second point, second point. Par contre, le second point, à mon avis, il risque d'être un peu compliqué. Ok, alors 1 minute 0, pour l'instant, ça se passe bien. Wow. Par contre, je vois le parcours derrière, je me dis, what the fuck. J'espère juste ne pas tomber. Et sachant qu'il faut qu'on fasse un bon score et ne pas tomber. Bon. Je vais me permettre d'aller un peu vite. Même si, quand vous voulez faire des scroll tests en 100% perfect, bah, n'hésitez bien à bien regarder genre, au fond de vous. Au fond, tu vois, en gros, tu regardes le parcours et tu regardes au fond. Et tu regardes bien ce qu'il y a autour. Donc là, regardez, je regarde bien comment ça se passe après. Là, je sais que je peux me permettre d'accélérer un minimum. Il n'y aura rien, quoi. Ok. Allez, on est parti. Let's go. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien, les gars. Alors ici, par contre, il va falloir ralentir un petit peu. Forcément. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Par contre, c'est hardcore, hein. Ok. Alors, passe maintenant ici. Ok. Par contre, c'est bon, il n'y a pas encore le point. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un skill test en fait, les gars. Il n'y a pas de point encore. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du rush kit là. Enfin, du moins vers là. Parce que pour le coup, il n'y a pas de point intermédiaire. Hop, ok. Ça passe bien en vrai. Hein. En vrai, ça passe bien. Ok, je vois le point là-bas. Je pense que là, je peux me permettre de sauter. Ok. Pour l'instant, nous ne sommes pas tombés. On a 2 minutes 44. Oh, shit. Je vois un truc très, très fin. Je vois un truc fin. Et là, à mon avis, il ne va pas falloir faire un... Il va falloir y aller doucement. Ok. Alors, attends. Peut-être accélérer un minimum quand même. Ok, wow, les gars, c'est chaud. Hein. En vrai, c'est chaud. Ok. Ouais, le véhicule, il part un peu à droite. Je sais pas pourquoi. Ok. Je vais aller tout doux, les gars. J'ai pas envie de tomber. Ok. Pour l'instant, rien à dire. Ça se passe bien. Non, non. Oh là 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 là. J'ai voulu aller vite. J'ai voulu aller vite. Aïe 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 aïe. On peut pas se permettre de faire ça, les gars. On peut pas se permettre de tomber comme ça. Aïe aïe aïe. Regarde, je fais n'importe quoi. C'est là. Une fois que je suis tombé, c'est. Une fois que je suis tombé, je suis tombé. Bon, allez, on va dire. On n'a pas le droit de tomber 3 fois. C'est le prochain défi. Donc là, j'ai respawn 3 fois, on est d'accord. Donc là, interdiction de respawn. Ok. Allez. On peut rattraper. Attends qu'elle n'a pas fait le skill test. À 100% perfect. On peut essayer de faire ce prochain défi. C'est-à-dire ne pas. Ok, c'est bon. Tout doux, les gars, tout doux.
Ah ouais. Ok, c'est bon. Allez, du premier coup, les gars. Oui. Ok, du premier coup. Ça, c'est bien. On a 5 minutes. Je suis dégoûté de tomber. Pourquoi on est tombé? Oh. Pourquoi on est tombé avant, les gars? Pourquoi on est tombé avant? En vrai, on n'avait même pas à tomber. Là, on est tombé au tuyau. C'était simple. Et moi, je tombe bêtement. Pour l'instant, voilà. Encore une fois, je suis tombé bêtement. Voilà, je suis encore tombé bêtement parce que j'ai voulu me précipiter. Et bah écoutez, ça fait 4 fois qu'on respawn. Donc maintenant, on va se donner le défi de 5 fois maximum. Regardez, je suis tombé ici. Ici, mais comment j'ai fait pour tomber ici? Ouais, ça, c'est par contre ce genre de truc. C'est des fois, on veut trop faire vite. Et quand tu veux trop faire vite, bah malheureusement. Eh bien, tu te fais des gommes. Ok. Là, n'hésitez pas à aller à fond. Même si vous avez peur, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, votre véhicule, il peut. Quand vous allez doucement, votre véhicule, il va vraiment tendre vers le bas. Et justement, faut pas. Genre, il va pencher vers en bas et peut-être en avant. Et du coup, après, bah, vous allez tomber, vous allez mal atterrir. Et plus vous avez de vitesse, mieux vous atterrissez, mieux. Enfin, c'est plus simple, quoi, disons. Ok. Pour l'instant, c'est ok. Pour l'instant, c'est bien. 6 minutes 20, on peut faire moins de 7 minutes, non? On va essayer de faire moins de 7 minutes, les gars. Ok. Tout. Ok, on va faire la miniature ici. Et bah écoutez, les gars, je vois le point final. 46, ouais, faut qu'on fasse. On a 10 secondes pour finir. Moi, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va faire moins de 7 minutes ou pas? Allez, moins de 7 minutes. On a fait moins de 7 minutes, les gars, pour ce skill test. Et c'était plutôt vraiment. Les gars, franchement, la course est pas mal. Après, au niveau de la difficulté, bon, on est noté quand même à 30%. Je m'attendais comme un truc un peu plus hard, un peu plus compliqué. Bah, c'est passé plutôt bien, on a failli faire un perfect. On s'est un petit peu déconcentré ou du moins pas. Enfin, j'ai voulu aller un peu trop vite. En vrai, j'ai voulu aller un peu trop vite. Donc voilà, vous avez vu 6,58. C'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai voulu aller un peu trop vite. Et justement, dans ce genre de parcours, dans ce genre de skill, vaut mieux bien regarder. En gros, t'analyses bien. Genre, t'analyses bien le point, comment il est. Tu regardes bien au fond. Tu regardes bien, tu te projettes en fait. Faut se projeter dans les parcours. Et aussi, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que quand vous tournez dans des trucs, vous voyez là, par exemple, tout à l'heure, moi j'ai fait un peu le con. J'ai tourné et je suis tombé. En vrai, ça faut pas. Genre, j'ai voulu aller vite. Mais des fois, on peut aller vite et faire un bon score. Donc là, par exemple, j'ai fait 7 minutes, c'est plutôt un bon score. Faire moins de 7 minutes, c'est plutôt pas mal. Hein. En vrai, de vrai, c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Je pense qu'on peut viser les 6-30. Il y a moyen. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez les skill tests. On cesse là-dessus. Si jamais vous avez loupé le vlog où j'achète l'iPhone à la salle, allez voir. On a fait aussi un test de pureté à la salle. N'hésitez pas à aller voir, c'était ce week-end. Il y a eu pas mal de bonnes vidéos.